Salut tout le monde, bon matin. Euh, J'espère que vous avez bien dormi. Euh, C'est un privilège pour moi de pouvoir apporter la parole ce matin, euh, encore une fois dans les, dans les paraboles. Euh, que ça fait du bien d'avoir un peu de soleil, que ça fait du bien d'avoir un peu de... de... pouvoir sortir dehors, on commence à déconfiner tranquillement. Et euh, je voulais euh, prendre un temps pour euh, vous saluer, euh, chacun de chez soi. Euh, il y a des gens qui sont avec leur famille, des gens qui sont seuls, euh, toutes sortes de, de situations et des gens qui ont recommencé à travailler. Donc, euh, je veux euh, vous souhaiter juste euh, un beau, euh, un beau bien, bienvenue parmi nous ce matin. Si tu nous suis de l'extérieur, euh, bienvenue parmi nous. Euh, on est, euh, est content de pouvoir être ensemble en Église. Prenons un temps ce matin pour passer un temps à la parole de Dieu, euh, en prière, euh, en lisant ce que Dieu a à nous enseigner. Donc, je vais commencer. À, à, à avec euh, la prière et par la suite on va se lancer. Oui Dieu, on est reconnaissant pour euh, ta parole, on est reconnaissant pour ton esprit. Qui nous enseigne à travers ta parole. On te demande que ce matin, Seigneur, tu puisses nous éclairer, que tu puisses nous enseigner quelque chose qui va faire du bien au cœur, quelque chose qui va nous éclairer. On veut, Seigneur, connaître la vérité pour que cette vérité nous rende libres. Alors, Dieu fait ton œuvre, ton œuvre puissante, ton œuvre qui, euh, qui nous rend euh, légers, ton œuvre qui nous euh, libère, Seigneur, parfois de nos mensonges, de nos dogmes. On veut absolument être nourri à ta source, euh, au pied de ta croix, Seigneur, on veut t'écouter ce matin. Donc, euh, Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu prends soin de ton église, tu prends soin des gens qui sont à la maison, même si on n'est pas ensemble physiquement, on est ensemble en esprit. Et c'est un privilège de pouvoir passer ce temps-là dans ta parole avec toi, ô oh Dieu, dans ton Fils compris. Amen. Alors, commençons ce matin. Et j'ai une petite phrase pour vous. Avez-vous déjà entendu la phrase la plus populaire chez nos enfants? Euh, et moi, c'était certainement une des phrases les plus populaires quand j'étais enfant. De décrier, de dire c'est pas juste, c'est pas juste. Nos enfants, on dirait que très rapidement, ils ont appris le concept de justice. Euh, nous autres, on est au déjeuner le matin, puis très souvent, je sors les céréales à un ou une tasse à l'autre ou un bout de yogourt, puis l'autre regarde puis il dit ah oh, il y en a eu plus que moi ou est-ce que je prends d'avoir autant que lui ou autant que elle. Et le concept de justice, et là, quand t'en sers un petit morceau plus gros qu'à l'autre, euh, ah, c'est pas juste, il y en a eu plus que moi. Et on a cette, euh, cette dynamique-là, la phrase la plus populaire chez nos, chez, chez nos enfants. Euh, souvent, on se rend compte que très, de, très jeune, on apprend le concept de justice. On apprend le concept de je vais faire pour obtenir. Je, vais, je veux que tout soit égal, d'un à l'autre, l'équité, tu sais, la. Euh, que, que la justice soit respectée dans ce qui est donné. Et heureusement, Dieu n'agit pas selon nos standards de justice. Euh, et la, parole de, la parabole de ce matin traite de justice, traite de la justice de Dieu, ou plutôt la grâce de Dieu. Euh, et c'est Jésus, puis je vais vous expliquer un peu le contexte. C'est Jésus qui parle. Euh, juste dans le passage d'avant, Jésus euh, prête euh, avec. Euh, je ne sais pas, euh, c'est quelque chose qu'on a souvent euh, appris ou euh, ça fait partie un peu de. C'est une histoire très connue. Le jeune homme riche qui vient voir Jésus. Puis là, euh, le jeune homme riche, il dit euh, Qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel Puis là, Jésus, il dit Ok, ben, respecte les commandements. Puis là, le jeune homme riche, il dit Ah yes, super, justement, je respecte les commandements. Puis là, Jésus, il dit Ok, oui, une dernière chose. Va vendre tous tes biens, donne-les aux pauvres et suis-moi. Et là, le jeune homme riche, qui était riche, euh, était tout triste. Puis là, il est comme « Ah non, puis là, il s'en va tout euh, tout peinard parce que, euh, parce que la richesse pour lui était, était centrale. » Et ça, c'est juste le passage avant le passage qu'on va voir ce matin. Alors le contexte, c'est que Jésus euh, vient d'adresser cet aspect-là de « La moralité n'est pas suffisante. » Et Jésus voit au cœur, et pour gagner... Puis Jésus, tout ce qu'il dit aux riches, c'est « Si tu essaies de gagner ton ciel... » ça va être toujours insuffisant. Et Jésus a aussi repéré l'idole de ce, de, ce, de ce jeune homme-là. Il a repéré l'idole de la richesse et lui voulait tout avoir. Il voulait suivre Jésus, mais il voulait aussi être riche, qui était comme son, sa poursuite terrestre. Et Jésus est en train de juste nommer ce qui est le vrai Dieu dans sa vie. Et lui s'en va tout triste. Et... Euh, et dans Matthieu, puis dans le fond, euh, le, le dernier verset du chapitre 19 de Matthieu dit, Bien des premiers seront les derniers et bien des derniers seront les premiers. Et là, on arrive avec le passage que je veux traiter ce matin. Et je vais le traiter, je vais pas le lire au complet d'une traite, je vais le lire verset par verset et de plus en plus on va apprendre des choses. Donc, c'est Jésus qui parle à ses disciples après que le jeune homme riche est parti. Et il dit ceci, en effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire. Qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'une pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Une pièce d'argent, en fait, c'était le salaire moyen pour une journée de travail. Donc c'était convenable, convenable pour une journée de travail. Verset 3 Il sortit vers 9 heures du matin et en vit d'autres qui étaient sur la place sans travail. Il leur dit allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. Et dans le fond, y a, y a, déjà il y a quelque chose, euh, c'est comme un peu euh, bizarre où est-ce que un propriétaire d'un de, 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 de vignoble euh, il sort dans la rue pour trouver des employés. Mais en fait, ça se faisait assez couramment dans ce temps-là. Dans le fond, il n'y avait pas toutes les normes du travail. Alors, très souvent, il y avait des périodes de fluctuations dans l'année où est-ce qu'on embauchait de façon massive des travailleurs. Et des fois, d'une journée à l'autre, tout dépendant des revenus du, de, du propriétaire à l'autre, on allait dans la rue pour dire Est-ce que tu veux travailler pour moi pour ce montant-là? Et des fois, tu avais des gens qui voulaient travailler pour presque rien parce qu'ils avaient très faim. Et des fois, quand il y avait déjà un travail, ils refusaient de travailler de cette journée-là. Donc, c'était assez courant de voir des gens qui étaient rassemblés et qu'un propriétaire arrivait et dit J'ai une pièce d'argent par jour, qui veut travailler pour moi? Alors, Jésus utilise un exemple assez courant dans la ville, dans l'agriculture, dans le monde de l'agriculture. Et un élément qui m'a frappé dès le départ, c'est que le premier, il y a un contrat de travail. Il se mit d'accord, donc le verset 2, il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'une pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Quand il ressortit la deuxième fois pour aller chercher d'autres, d'autres employés, ils ne sont pas entendus sur un contrat de travail. Il leur dit Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. Alors, les, la deuxième batch d'employés, ils vont par la foi, sans entendre clair. Ils vont un peu selon. Puis là, le, le, le propriétaire il dit juste, je vais te donner qu ce qui est juste. Oui, mais qu'est-ce qui est juste? Ça se peut que tu m'arnaques à la fin de la journée et que tu te dis Moi, je pense qu'un 10 sous, ce serait pas mal juste pour toi. Alors, les, les employés, ils vont vraiment par la foi, sans trop savoir comment qu'ils vont être payés. Mais ils disent ils ont confiance dans cet employeur-là, puis ils disent, je vais te faire confiance, et ils vont de l'avant. Le verset 5. Et il y allèrent. l'air. Il sortit de nouveau vers midi. Donc, il sort vers 9h, il sort à midi, et vers 3 heures de l'après-midi, il fit de même. Donc, il sort à 9h, à midi, à 3h, même chose, sans contrat, juste en la foi, dans la bonne... Juste, les gens acceptent de travailler juste par foi, dans la bonté du maître. Verset 6. Il sortit enfin vers 5 heures de l'après-midi. Et en trouva d'autres qui étaient là, sans travail. Il leur dit Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler Ils leur répondirent C'est que personne ne nous a embauchés. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, et vous recevrez ce qui sera juste. Même chose encore. Pas de contrat de travail, juste basé sur la bonté du maître. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. C'est intéressant quand même. Il dit Appelle les ouvriers et paie-leur leur, le salaire en allant du dernier, donc les derniers rentrés, jusqu'aux premier, ceux qui avaient engagé le matin. Ceux de 5 heures de l'après-midi, vers et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand les premiers virent, vers à leur tour, ils pensèrent recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils murmurèrent contre le propriétaire en disant :« Ces derniers sont arrivés, n'ont travaillé qu'une heure, et tu les as traités comme nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux :« Mon ami, je ne t'ai pas fait tort. Tu n'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'une pièce d'argent Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ?» Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Et là, on se dit, qu'est-ce que Jésus veut enseigner Il est en train d'enseigner, on dirait, l'injustice. Mais en fait, il est en train, si vous savez, la justice, la justice humaine, c'est rassurant. Il y a quelque chose de sécuritaire ou sé sécurisant dans la justice humaine parce que c'est quantifiable. C'est sécurisant sur ce que je vais recevoir. Euh, c'est prévisible, je veux mériter ce que j'obtiens. Et vice-versa, je veux obtenir ce que je mérite. Il y a comme une espèce de satisfaction à dire, je travaille, j'obtiens. Et c'est sécuritaire, parce que tu n'as pas besoin de te fier ou d'avoir la foi dans la bonté de quelqu'un d'autre. Je travaille, j'obtiens et je, 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 je peux bien vivre. Et ce que Jésus est en train de nous faire ressortir, c'est à quel point l'être humain est fait en fonction de désirer la justice. Puis quand je dis la justice, c'est le, 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 le salaire de ce que l'on mérite. Mais Jésus fait ressortir que l'on mérite, tout ce que l'on mérite, c'est la grâce. Enfin, on ne mérite rien et tout ce que l'on obtient, c'est à la grâce de Dieu. Et là, je vais te poser la question, est-ce que tu veux vraiment la justice? Parce que si tu veux vraiment la justice et si as, tous les êtres humains désirent la justice, et si on obtient ce que l'on mérite, on est dans le trouble. Si on obtient ce que l'on mérite spirituellement, notre condamnation éternelle, on est dans le trouble. Dans Romains 6.23, il est écrit « En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. » Si Dieu nous donne ce que l'on mérite, on, ça va aller mal pour nous. Parce qu'on on, on, on mérite la mort éternelle. Et... Jésus fait ressortir qu'il vaut mieux avoir la foi dans un bon maître à la toute fin plutôt que de faire confiance à nos actions et à quel point on est une bonne personne très tôt dans notre vie. Le jeune homme riche est arrivé et il a dit, moi, j'ai tout gagné ça. Depuis que je suis jeune, je fais des bonnes actions, j'observe je, 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 tous les dix commandements. Et là, Jésus dit, ah, une dernière petite chose. Et là, il a abdiqué. Et Jésus est en train de dire, les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers, les facteurs sur lesquels l'être humain base ses barèmes pour établir la justice, Dieu n'utilise pas les mêmes barèmes. Dieu n'utilise pas les mêmes barèmes parce que tout être humain, même s'il se force incroyablement, n'atteindra jamais les standards de Dieu. Même si tu observes les 10 commandements, les 2000 commandements de Lévitique, si tu, tu es la meilleure personne sur terre, tu donnes toutes tes richesses comme dans un Corinthiens, tu, 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 tu donnes ta vie pour être brûlé, tu donnes ta vie pour les pauvres, tu donnes toutes tes richesses, peu importe peu importe ce que tu fais, si tu n'as pas l'amour, l'amour qui vient de Dieu, si tu n'es pas transformé de l'intérieur vers l'extérieur, si tu n'as pas compris, si tu n'as pas accepté la grâce qui vient de Jésus, la vie ne te sert à rien. Et pense un petit peu à celui qui raconte l'histoire. C'est Jésus. Jésus est le seul, puis je vous mets un peu dans le contexte, pas dans le contexte de l'histoire, mais Jésus, en fait, c'est le seul qui... c'est lui qui raconte l'histoire. Et en plus de ne pas recevoir ce que Jésus... Quand Jésus a vécu sur la terre, il, a, il est le seul à avoir travaillé beaucoup plus que toute la journée. Il a, il a ramassé sur lui, ou il a pris sur lui le fardeau et la misère et le, et le poids de mon péché pour que moi je puisse mériter de très peu travailler. Et quand je dis travailler, c'est travailler pour mon salut. En fait, le, le dernier qui est arrivé pour l'ouvrier qui s'est fait engager a eu accès, puis c'est une image du ciel ou du royaume des cieux, le premier ou le dernier ont eu accès au royaume des cieux, pas basé sur ce qu'ils ont fait, mais par la foi dans la bonté du Maître. Le premier a été insatisfait parce que lui essayait de gagner son salaire basé sur son mérite. Puis il a dit, j'ai plus de mérite que autres, donc je mérite plus que autres. Mais ce que Jésus est en train de faire ressortir, c'est que personne ne mérite rien et tout ce que l'on reçoit est une grâce de Dieu. Jésus a vécu une vie sans faute et subit la mort du pécheur. Jésus n'est pas en train de dire qu'il n'y aura pas de rémunération distincte au ciel. Tout est dans le contexte. Le jeune homme riche parle de choses pour gagner la faveur de Dieu. Jésus répond que si c'est par rémunération, ce sera toujours insuffisant. Mais la grâce de Dieu seule suffit. La grâce de Dieu seule pourvoit suffisamment et suffit pour avoir accès à tout. Le point est que tu ne veux pas d'un contrat avec Dieu, sinon tu seras éternellement déçu. Parce que si tu penses que tu es capable de remplir ton contrat par toi-même sans l'aide de Jésus, sans l'aide de la bonté de l'employeur, tu vas toujours être déçu parce que tu n'atteindras jamais le salaire que tu vises, qui est la vie éternelle, par tes propres actions. Plusieurs de nos problèmes spirituels viennent de notre perception qu'on a un contrat avec Dieu, en pensant que Dieu nous doit quelque chose à cause de nos bonnes actions et de nos bons choix et de notre bonne petite personne. Et j'aimerais ça, dans la deuxième partie de, de ce que je voulais vous partager ce matin, euh, vous donner cinq signes qui laissent croire que tu as cette tendance à avoir une, à avoir une entente contractuelle avec Dieu, plutôt qu'une relation de grâce. Et c'est des indicateurs pour moi, pour toi, pour chacun d'entre nous, pour remettre en question un peu sur quel aspect j'ai une facilité des fois à voir ma relation avec Dieu plutôt comme comme un contrat avec mon Créateur. Et plus que j'en fais, puis plus que je fais du bien, et plus que je suis une bonne personne, et plus que je travaille dans son Église, et plus que je vais parler de de, de Dieu aux autres, et plus que je vais être un bon disciple, et plus que je vais mériter sa grâce. Alors. Soyez attentifs sur les cinq points que je veux, les cinq signes que, qui nous laissent croire qu'on euh, a une tendance à voir notre relation comme une entente contractuelle. Premier point, l'amertume. Et je te pose la question, la question diagnostique. Suis-je amer parce que je pense que Dieu retient des bénédictions, des bénédictions que je crois que je mérite? Les gens de la première heure dans la parabole étaient dans l'amertume parce qu'ils croyaient qu'ils ne recevaient pas ce qu'ils méritaient. Dans notre vie, Parfois, on va vivre de l'amertume envers Dieu ou de la déception envers Dieu parce qu'on on pense qu'on est en droit d'exiger quelque chose de la part de Dieu qu'on ne reçoit pas. Puis je donne des exemples. Euh, nous autres, quand on a, eu, on a commencé à avoir des enfants, en fait, ça a pris beaucoup de temps avant, avant d'avoir des enfants. Et ça a été quand même une période un peu d'insécurité ou d'incertitude parce qu'on se disait, ah ben quand on va être prêt à avoir des enfants? Et là, on s'est rendu, euh, rendu compte que progressivement, on, on avait de la déception envers Dieu, comme si c'était un mérite, comme si c'était quelque chose que Dieu nous devait. Tout le monde l'a autour de nous et nous, on a de la difficulté à avoir des enfants. Aujourd'hui, on a une grande bénédiction, on a trois beaux enfants. Mais ça a été, tout un, ça a été un défi que d'aborder cette situation-là, non pas en étant déçu de la part de Dieu, comme s'il nous devait d'avoir ce grand cadeau. Des fois, on va être déçu quand on vit de la stérilité. Dans le temps de Jésus, c'était un grand point, la stérilité. C'était quasiment même une, une espèce de... C'était vu socialement comme quelque chose de, euh, de très négatif. Aujourd'hui encore, c'est quelque chose qui peut être difficile à vivre, de ne pas réussir à avoir d'enfants. J'ai beaucoup de, 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 de gens autour de moi qui ont vécu des difficultés, des grands défis reliés à avoir des enfants. Et des fois, on peut vivre de la colère envers Dieu par rapport à Dieu, donne-moi ce que tout le monde, tu donnes à tout le monde, mais pas à moi. Ou bien sinon les finances. Dieu, me semble que je travaille fort, je devrais avoir accès à un bon salaire. Me semble que toutes mes amis font plus d'argent que moi. Ou encore la santé. Dieu, me semble que je suis une bonne personne, je prie souvent, puis je lis ma Bible, puis tu me donnes pas la santé. Euh, puis ça, je me souviens quand mon père est, est tombé malade d'un cancer, ça a été quelque chose que j'ai souvent reproché à Dieu, parce que je disais à Dieu. Euh, il me semble que mon père, il était un bon chrétien, il était ancien dans l'Église, il était dé, 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 dévoué, il s'occupait d'un groupe de personnes seules, il était un, un, un père modèle, un mari modèle. Et là, j'étais comme, Dieu, tu punis mon père avec un manque de santé et pas du tout. Et voyez comment est-ce que cette vision-là de dire, OK, je fais, donc j'obtiens, est très innée dans l'être humain. Et très souvent, on fait, hey, on a exactement le même réflexe que les ouvriers, les premiers ouvriers du jour. Dieu, on s'entend sur un contrat, je vais accomplir, tu vas me donner de l'argent, tu vas me donner un rendement, tu vas me donner un salaire. Et on a cette entente contractuelle avec Dieu plutôt qu'une relation basée sur la grâce seule de Dieu. Euh, personne ne désire obtenir ce qu'il mérite devant Dieu, sinon on est dans le trouble. Encore une fois, cette même phrase-là que j'avais répétée tantôt, si on obtient ce que l'on mérite, on est dans le trouble. Le seul, le, seul, le seul élément qui nous permet d'avoir confiance dans l'avenir, c'est la seule grâce de Dieu et non pour mon bon comportement, mon bon agissement. Deuxième point, deuxième signe, la jalousie. Et la question diagnostique est est-ce que je suis jaloux de ce que les autres ont que je n'ai pas Un mariage heureux, une job de rêve. Ils sont beaux, ils sont musclés, ils sont minces, ils, tout a l'air facile dans leur vie, pas moi Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Eux autres, ils ont l'air joyeux, moi, je vis de la dépression. Eux, ils ont l'air d'avoir du succès, moi, je bûche pour avoir du succès, puis j'ai juste des échecs. Il y en a qui, ont dirait qu'ils vont à l'école, qui n'ont même pas besoin d'étudier, moi, j'étudie, puis j'ai des échecs. Me semble que Dieu, tu pourrais regarder que je, je, je bûche, puis il me semble que je viens d'une bonne famille, j'ai fait des bonnes choses, me semble que je suis un bon chrétien, et tu me donnes pas ce que j'ai droit d'avoir. Et dans Proverbe 23 le verset 17, ça dit que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais qu'il est toujours la crainte de l'Éternel, car il a un avenir et, et car il y a un avenir et ton espérance ne pourra pas être brisée si tu la mets dans la grâce de Dieu. Jésus lui-même dit "Suis-moi et je prendrai soin de toi." « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus va prendre soin de toi, de ton cœur, de tes besoins dans la maladie ou la santé jusqu'à ce que la mort vous sépare jusqu ou jusqu'à son retour. » Pour prendre une phrase célèbre dans les mariages. C'est là où est-ce que la jalousie souvent vient du fait encore dans le désir d'équité. Lui, il y a. Dieu, tu as donné. Tu ne serais pas de me donner. Mais ce que Jésus te promet, c'est pas que les jours seront tous faciles et que tu obtiendras tout ce que tu désires. Il dit « Cherche D'abord le royaume des dieux, et là je te donnerai tout ce que ton cœur désire. Pourquoi? Parce que ton cœur cherche Dieu. Ton cœur cherche une relation intime avec Dieu. Dieu, Jésus te promet qu'il va t'accompagner, qu'il va te supporter, qu'il va qu va prendre soin de ton cœur, qu'il va être à tes côtés, peu importe les épreuves que tu passes, mais il ne t'a jamais promis la richesse, il ne t'a jamais promis la facilité, il ne t'a jamais promis des, des éléments que des fois ton cœur charnel désire plus que ton cœur spirituel. Tim Keller, un homme que j'aime énormément, un pasteur d'une église à New York, dit Si Jésus ne s'est pas plaint lorsqu'il a reçu une vie infiniment pire que ce qu'il méritait, comment je peux me plaindre d'une vie infiniment mieux que ce que je mérite? <laughs> grâce à la grâce de Dieu. Je répète, si Jésus ne s'est pas plaint lorsqu'il a reçu une vie infiniment pire que ce qu'il méritait, comment je peux me plaindre d'une vie infiniment mieux de ce que je mérite que à cause de la grâce de Dieu? Il y a une histoire que j'ai trouvée vraiment intéressante. Une manie, il y avait une dame, euh, elle avait une routine, une routine établie, elle allait dans un supermarché et elle, elle allait chercher euh, à chaque jeudi après-midi, les enfants étaient à l'école et elle, elle allait justement pendant une bonne période durant l'après-midi, elle allait au centre d'achat dans un magasin de biscuits et elle achetait un sac de biscuits avec un café et elle s'assoyait dans le mall, dans le mail et elle mangeait sa, son sac de petits biscuits, là, des petits biscuits, et avec son café et en lisant ses magazines préférés. Puis là, elle mangeait, elle savourait ce moment-là de tranquillité. Et à un moment donné, le mail était rempli, il y avait beaucoup de monde. Elle fait sa même routine. Elle va chercher son sac, son café, elle s'assoit. Mais étant donné qu'il y avait plus de place disponible dans les différentes tables, elle s'est assise à la table avec un monsieur. Alors elle dit, est-ce que je peux m'asseoir avec vous? Et le monsieur dit, oui, pas de problème. Et là, elle s'assoit, elle sort ses affaires, elle sort son magazine, et euh, elle, elle met un peu tous ces, ces éléments devant elle. Pour comme l'habitude, selon son habitude, et là elle commence à lire. Et là, tout à coup, le monsieur devant elle s'avance et lui prend un biscuit dans son sac et le mange sans malaise, sans remords. Mange un premier biscuit. Et elle un peu scandalisée, mais elle dit "Ok, j'en ferai pas un plat. Je suis une bonne personne." <laughs> elle continue à lire son magazine. Et là. Le monsieur, il se passe à peu près 5 minutes, elle prend un premier biscuit, elle le mange, et le monsieur, 5-10 minutes plus tard, reprend, a le front de prendre un autre biscuit et le mange. Et là, elle, une grande irritation l'envahit, un grand sentiment d'injustice l'envahit. Et là, elle prend un biscuit en faisant, un, faisant exprès de faire un petit peu de bruit dans le sac, et là, elle regarde le monsieur droit dans les yeux. En faisant un petit, euh, un, un petit regard euh, arrogant en mangeant le biscuit. En, ce que ça voulait dire, c'est Ça, c'est à moi. Pas touche. Et là, tout le long de, 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 leur, de leur moment ensemble, et le monsieur fait juste un sourire. Et tout le long de leur, de leur moment, le monsieur prend 4 à 5 biscuits dans le sac. Et elle, de plus en plus, ça bouille en dedans, puis elle est comme irritée. Là. Et là, à la fin, il reste un seul biscuit dans le sac. Et le monsieur s'avance, il, il a le front, encore une fois, de prendre le dernier biscuit. Et là, il le casse en deux et lui offre le dernier, le, la moitié du dernier biscuit. Et elle, elle, elle prend ses affaires, elle se lève debout, puis elle commence à marcher. Et elle est rendue proche de son automobile, puis là, elle cherche ses clés dans sa sache-coche, et elle tombe sur son sac de biscuits plein. Elle se rend compte que le sac dans lequel elle mangeait, c'était celui du monsieur, depuis le début. Et tout à coup, elle se sent mal à l'aise. Elle se sent débordante également de, de, de respect et de gratitude envers le monsieur. Quel bel agissement, se, se dit-elle dans sa tête. Il m'a jamais fait sentir mal. Il m'a partagé. Il a tout le long, il a, il, même quand je, je lui montrais du front, il a continué à, à me faire un beau sourire. Et j'ai trouvé tellement que cette histoire dénotait bien exactement notre situation avec Jésus. Lorsque tu réalises que les biscuits de ta vie que tu manges appartiennent tous à Jésus et qu'il te les partage gracieusement tu deviens tout à coup capable d'expérimenter la gratitude, la générosité, la joie de vivre et de savourer plutôt que de comparer et de dire c'est à moi et je le mérite parce que je l'ai payé avec mes sous. Tu réalises que tout ce que tu manges sont une grâce de Jésus qui est assis devant moi avec un beau sourire. Troisième point, puis je termine bientôt. Troisième point, troisième signe, c'est la colère. Particulièrement en lien avec les... Non exaucée. La question diagnostique est est-ce que je suis en colère quand Dieu ne répond pas à mes prières de la façon que j'espérais Comment tu te sens quand tu demandes quelque chose que tu sembles légitime et que Dieu te refuse Ou que Dieu te dit attends, ou que Dieu semble ne pas t'entendre Très souvent, on peut développer un sentiment de je prie, donc j'obtiens. Et puis il y a des versets qui, des fois, nous portent à confusion c'est comme demander ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais en même temps, quand Jésus nous enseigne à prier, il nous dit ⁇ Priez selon ma volonté ⁇ Non pas ma volonté, mais la tienne. Quand on aligne nos cœurs avec, ceux de, avec celui de Dieu, on a une attitude de soumission dans la prière. Et la colère devient quelque chose d'impossible. Parce que on est, on est assoiffé et on est dans l'attente de sa volonté, non pas de la nôtre. Le quatrième point, c'est l'insécurité. La question diagnostique, est-ce que je me sens incertain devant Dieu et insécure à propos de mon futur et de mon futur éternel? Est-ce que j'ai été assez bon pour gagner mon ciel? Est-ce que Dieu va vouloir de moi si j'ai des dépendances? Est-ce que Dieu va vouloir de moi si je lutte avec certains péchés? Est-ce que lorsque je vis des épreuves, je me demande si je n'ai pas ce que je mérite? Quand tu vis des difficultés, quand tu prends un accident sur la route, ah, je l'ai mérité, j'ai arrêté de lire ma Bible la semaine passée. Et ça, c'est un mensonge de l'ennemi, c'est une pensée même qui vient du new age, du bouddhisme, le karma. Si tu fais du bien, il va t'arriver du bien, si tu fais du mal, il va t'arriver du mal. Et ça, ce n'est pas la justice de Dieu. Dieu donne gracieusement. Ne donne pas selon un mérite humain. Et des fois, on est contaminé par cette pensée qui dit je j'obtiens ce que je mérite. Donc si j'obtiens quelque chose de souffrant, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal. Dieu n'est pas un père comme celui-là. On le suit parce qu'on a confiance dans la bonté du Père. On le suit par foi en lui et dans son sacrifice à la croix. On le suit par amour parce que lui nous a aimés le premier. Et finalement, le dernier point, euh, l'indifférence. Et la question diagnostique est est-ce que je suis mobilisé à l'action par la souffrance des autres? Quand tu crois que les bonnes choses que tu as sont le résultat de ton bon travail, tu regardes aux autres autour qui vivent, autour de toi, là, qui vivent, comme le résultat de leurs mauvaises décisions, de leurs échecs. Par exemple, quand tu vois quelqu'un qui souffre, tu es comme Ah, t'aurais dû continuer à étudier. T'avais juste à prendre des bons choix financiers. Tu avais juste à pas courir après. Moi, regarde, moi bon, ça va bien mes affaires, c'est parce que j'ai fait ce qu'il fallait. Et ça, c'est un signe comme quoi on pense que ce que l'on a, c'est ce que l'on mérite parce qu'on a été intelligent. En fait, ce que l'on a, c'est une grâce de Dieu. Je suis né dans une famille chrétienne qui est un grand privilège. Est-ce que c'est quelque chose que je mérite? Non, c'est une grâce de Dieu. J'ai eu la chance d'être marié depuis 15 ans dans un mariage super heureux. Est-ce que c'est ce que je mérite? Non, c'est une grâce de Dieu. J'ai trois beaux enfants, trois beaux enfants en santé. Est-ce que c'est ce que je mérite? Non, c'est une grâce de Dieu. Si demain j'ai une maladie, et je le dis puis je me surveille parce que je sais que ça pourrait être très difficile à dire dans le concret, si demain matin j'ai une maladie incurable, est-ce que c'est parce que j'ai mal agi? Est-ce que c'est parce que Dieu veut me punir? Est-ce que, est parce... est que Dieu est en droit de ne pas me permettre la santé dans ma vie? Est-ce que je vais me rebeller contre Dieu par colère, par amertume, parce que Dieu permet que, que je souffre d'une maladie? Tout à fait, parce que tout ce que j'ai, c'est par grâce. Dieu peut donner, peut retirer. C'est son droit. C'est le Créateur, c'est le potier qui forme l'argile. Est-ce que le pot va se revirer vers le, le Créateur et dire, « Hey, t'as pas d'affaire à me faire une poignée dans le dos. » Le Créateur a tous les droits. Tout ce qu'il me donne, c'est par grâce. Tout ce que j'obtiens, c'est une grâce infinie. Si j'obtiens le salut, c'est par grâce seule. Conclusion. On a besoin de laisser place à l'humilité et la transformation de nos cœurs par Son Esprit pour laisser place à de nouveaux fruits dans notre vie. Et c'est une transformation spirituelle que je vous parle en ce moment. C'est pas facile de dire laisse place à l'humilité. En fait, c'est un œuvre de l'Esprit. C'est une œuvre de l'Esprit que l'Esprit nous révèle de plus en plus à quel point nous sommes dépendants de la grâce de Dieu seul. Ce n'est pas une action intellectuelle. Ce n'est pas quelque chose que moi je me dis, il hey, faut que je réfléchisse plus à ça et demander où C'est une œuvre rédemptrice de l'Esprit en moi. Et plus que l'Esprit va nous révéler à quel point on est dépendant de la grâce de Dieu, on est dépendant de son œuvre. Tout ce que l'on obtient, c'est une grâce de Dieu. Tout ce que l'on n'obtient pas, ce n'est pas une injustice de Dieu. Parce que tout, tout, tout est une grâce de Dieu. L'amertume deviendra gratitude. Plus que je suis en, en, plus que je délaisse le contrat avec Dieu et plus que je vois Dieu comme une grâce infinie, l'amertume de dire hey, « je devrais avoir ce que j'ai pas » deviendra la gratitude pour ce que j'ai. La jalousie deviendra le contentement. Hey, je devrais avoir ce que lui a. Ça va devenir. Hey, wow, merci Dieu pour tout ce que tu me donnes. J'ai un toit sur ma tête, j'ai un véhicule. J'ai pas de véhicule, j'ai des jambes, j'ai des souliers pour mettre dans mes pieds. J'ai un repas. Je peux aller dans Si j'ai pas de repas, parce que j'achète avec ma carte de crédit ou ma carte de débit, mais je peux aller dans un organisme à Chabot pour aller chercher un repas. Dieu, tu es bon. Le contentement. La colère deviendra paix et douceur. La colère que Dieu me déçoit dans la prière, mes prières non exaucées, va devenir une paix et je sens son appel et sa voix qui est douce dans mon oreille, qui dit je serai avec toi même dans l'épreuve, dans les bons comme les mauvais jours. L'insécurité deviendra assurance. L'insécurité de est-ce que je suis assez bon on va dire oui, j'ai l'assurance de mon salut parce que c'est pas moi qui gagne mon ciel, c'est lui qui le gagne à ma place. Et lui, je sais qu'il a été infiniment bon pour le gagner. Moi, je serai jamais capable même avec tous les efforts du monde. Mais lui a été capable et il est capable et il sera capable. L'indifférence deviendra la compassion. Lui a eu compassion de moi, je veux avoir compassion des autres lui a eu compassion de l'être spirituellement brisé que j'étais l'être humain dépourvu de sens dépourvu de, de foi que j'étais il m'a racheté, il s'est fait connaître à moi, il s'est révélé à moi d'une façon puissante et c'est pourquoi je veux avoir de la compassion, je veux voir les autres comme des, des enfants de Dieu que Dieu peut racheter, je veux me prier pour eux je veux parler de Dieu à ces gens pour que Dieu les sauve, pour que Dieu se fasse connaître personnellement, pour que la vie soit nouvelle, la vie soit bonne, l'espoir renouvelé, une lumière, une lumière dans les ténèbres, une éternité florissante, non pas basée sur mes forces, mais sur sa grâce. C'est ce que j'avais à vous partager ce matin. Alors, j'aimerais prier pour que Dieu fasse son œuvre en nous maintenant. J'aimerais prier pour que Dieu puisse puissamment nous parler, puissamment nous transformer de jour en jour à la lumière de sa grâce seule. Oui, Jésus, tu es bon. Tu es le bon berger. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es la parole faite chère merci dieu pour ta grâce infinie ta grâce infinie qui me permet de te parler en ce moment ta grâce infinie qui me permet d'avoir l'assurance de mon salut non pas basée sur mes forces ou sur un contrat quelconque mais basée seulement par la bonté de mon sauveur par l'obéissance de jésus à la croix jusqu'au bout il est mort mais il n'est pas resté mort il est ressuscité il a vaincu le mal vaincu la mort et maintenant je peux avoir foi dans ce sauveur rédempteur Gardien de mon âme, Dieu, tu es bon, infiniment bon. On te loue, on t'adore ce matin, dans ton fils compris. Amen. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Que Dieu puisse vous prendre par la main aujourd'hui, vous faire sentir sa présence et qu'il vous le fasse du bien. Bonne journée.